Micheline Sandrel a posé à Dalida quelques questions à propos de son nouveau tour de chant à Bobino. Cette fois-ci, à Bobino, je pense avoir des chansons plus nouvelles qu'à l'Olympia. Oui. Parce que l'Olympia, vous savez, je l'ai faite au mois de septembre. Et alors, pendant l'été, bien sûr, je n'avais pas le temps de chercher de chansons. Et comme je ne suis pas auteur-compositeur, que je suis simplement interprète, je ne sais pas me fabriquer moi-même des chansons. Je n'avais pas le temps de les trouver. Donc, à l'Olympia, il y avait des chansons. Il n'y avait pas des chansons inédites, sauf la Sainte Otoche. Les autres, les gens, ils les connaissaient par les disques et la radio. Tandis que à Bobino, oui. J'ai, comme c'est au mois de février là, oui. Et j'ai eu le temps de chercher des chansons. Alors j'étais en Italie, j'étais un peu partout pour chanter. D'Italie, j'en ai ramené des nouvelles. Et en France aussi, j'ai cherché des nouvelles. Donc à Bobino, il y aura un répertoire qui est assez nouveau. Il y a 6 nouvelles chansons. Et ces nouvelles chansons sont toutes en français? Pas toutes, non. Il y a 2 chantées en italien, une en hébreu, et le reste sont en français, oui. Et dans les chansons françaises, quel compositeur vous avez dans les nouvelles chansons? Alors, dans les nouvelles chansons, il y a Jean Broussol, il y a Eddy Marnay qui m'a écrit des chansons. Et puis, il y a une de Daniel Gérard qui est avec moi dans le programme. Une de Guy Béard. Une de Guy Béard, exactement. Et là, vous avez un effet de lumière qui est très joli. C'est la lumière qui symbolise sur la scène une cabine téléphonique tout en glace. Oui, simplement un peu de lumière sur le visage. Oui, j'ai essayé de donner. Je ne sais pas si ça fait l'effet. Je suis contente si vous l'avez éprouvé. Donc, je suis ravie. C'est l'effet que je voulais donner un peu, oui. Alors, nous allons supposer que nous vous donnons maintenant toute une série de trèfles à 4 feuilles pour votre je vous première à Bobino. Infiniment. Au revoir.